Nouvelle série procédurale lancée ce soir sur France 2, Les Invisibles suit une brigade d'enquête spéciale dont les enquêteurs se dévouent entièrement à leur mission, redonner une histoire et une dignité à des corps anonymes. De quoi ça parle? Darius B, passionné, un brin magouilleur, est le boss des Invisibles, une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé. Son obsession, leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil. Son équipe, Mario, joyeuse au grand cœur, toujours à râler, Ben, ancien champion de boxe, gros nounours au point sensible, Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux. Leur mission, identifier les corps avant qu'ils ne finissent à la fosse commune. Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville. Ils sont mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice. 52 minutes, chaque mercredi à 21h05 sur France 2 Cest avec vous. Créé par Olivier Noreg, auteur de Polar et scénariste, en collaboration avec Patrick Tringal et Christian Mouchard, R.I.S. Police Scientifique. Les Invisibles met en scène Guillaume Cramoisan, La Dernière Vague, film dans l'Hérault, dans le rôle du commandant Darius, à la tête d'une équipe d'enquêteurs hors pair. Parmi eux, Marie-Joëlle, dit Mario, la doyenne du groupe Sous-Collet, est interprétée par Nathalie Cerda, irresponsable. Face à elle, Duchesse, jeune première issue d'un milieu bourgeois, Déborah Cray, vue d'un quadrat, Ben, ancien boxeur au cœur tendre incarné par Quentin Fort, Engrenage, et enfin Angie, une médecin légiste au sens de la répartie imparable jouée par Cécile Reboa, plan B. Ça vaut le coup d'œil. Chaque semaine à l'heure du prime time sur les chaînes de télévision françaises, une série policière en chasse une autre. Enquête bouclée, relation d'amour haine entre collègues, chef de groupe aux méthodes borderline, médecin légiste un brin loufoque, sur le papier, Les Invisibles semblent cocher toutes les cases de la série procédurale ultra balisée. Et pourtant, quelque chose de différent émerge au fil des épisodes. Tout d'abord, le principe de prendre l'enquête à rebours en partant d'une victime anonyme dont il faut retrouver l'identité pour comprendre ce qui lui est arrivé, rappelant forcément le concept de la série Cold Case, affaire classée, dans laquelle une inspectrice résolvait d'anciennes affaires de meurtre non élucidées, change un peu la donne. Pour ce faire, cette brigade particulière, dont les membres sont eux-mêmes traités comme des marginaux au sein de la police, ne dispose que de 7 jours pour associer une identité au corps retrouvé. Dans le cas contraire, les victimes non identifiées sont envoyées à la fosse commune, dans le carré des indigents comme le de la loi. Par conséquent, la brigade de Darius joue contre la montre. Cette urgence est d'emblée contrée par le fait que les suspects pouvant avoir un lien potentiel avec le corps sont d'emblée révélés aux spectateurs, dans une intrigue parallèle à l'enquête qui n'a de prime abord aucun lien évident avec la victime. Une structure qui a pour effet d'impliquer le spectateur dès les premières minutes en lui faisant se creuser les méninges sur la mécanique de résolution de l'enquête. Pour tout bon amateur de séries policières, rien de plus normal, mais Les Invisibles s'est composé avec le genre pour mieux nous surprendre, et nous impliquer d'autant plus sur le plan émotionnel. Côté décor, exit la capitale puisque la série est située au cœur de l'île, qui a décidément le vent en poupe dans les séries judiciaires du moment, HPI, le code prochainement sur France 2. L'atmosphère dégagée par la ville, avec ses rues pavées aux reflets cuivrés et une photographie sombre et pluvieuse, rajoute un cachet particulier aux enquêtes. La série prend également des aspects de thriller social dans les différentes thématiques abordées au fil des épisodes, précarité, lutte des classes ou entre violence faite aux femmes, chaque victime est reliée à sujet sociétal fort, qui achève de donner une crédibilité aux enquêtes. Mais la force des Invisibles réside indéniablement dans son équipe d'enquêteurs, qui forme une famille aussi dysfonctionnelle que celle menée par Guillaume Cramoisan dans le rôle de Darius, commandant chevronné mais désabusé à force d'avoir été mis de côté par sa hiérarchie. Cette brigade aux méthodes si particulières fonctionne grâce à l'alchimie quasi immédiate qui se dégage entre ses quatre comédiens principaux. Nathalie Cerda, hilarante en maman poule dans la série Irresponsable, se révèle très touchante dans le rôle de Marie-Jo, enquêtrice irascible brisée par un drame personnel. Quentin Fort et Déborah Cray, quant à eux, font preuve d'un solide talent d'interprétation dans les rôles de Ben et Duchesse, jeunes recrues issues de milieux sociaux très différents, tous deux brillants mais entravés par les sentiments refoulés qu'ils se portent. À l'issue de ces 6 épisodes très réussis, on regrette que cette proposition plutôt rafraîchissante en matière de série procédurale ne dure pas plus longtemps afin de fidéliser son public, et on croise les doigts pour une future saison 2.